Et d'ailleurs, Tofu Sauvage, merci aussi pour ton follow. Pendant que j'étais en live, j'ai vu et j'ai beaucoup apprécié. C'est très gentil à toi. Ça fait plaisir. Ça m'a rempli mon petit cœur de chaleur avant le lancer de mon live. Et... attendez, on peut pas passer par là. Attends, quoi? Après, il faudra faire le forcing pour Silk Song. Alors, en vrai de vrai... Attends, je me concentre. Ouais, non, c'est mort. En vrai de vrai... Alors déjà, oui, tu peux compter sur Erika pour faire le forcing. Mais en vrai de vrai, je pense qu'il y aura limite pas besoin tellement j'ai la hype du jeu en ce moment. Je suis tout hypé, là. De Silk Song. Mais en plus, c'est salopio, le 1er avril, ils ont mis leur jeu dispo sur le store Xbox, PlayStation et Steam. Et les gens, ils sont là, mais attends. Oh, bah, c'est un décor, ok. Et les gens, ils sont là, mais what the fuck, est-ce que c'est un... Comment? Est-ce que c'est une vraie info? Est-ce que c'est un poisson d'avril? On ne sait pas. Attends. Ah, il faut que j'arrive à coordonner mes deux pouces, je vous jure, c'est plus dur qu'il n'y paraît. Mais je vais pas y arriver, hein. Ah, je ne sais pas coordonner mes deux pouces. Bon, on va peut-être éviter de s'entêter ici, je pense que si c'est compliqué, c'est parce qu'on n'est pas censé être là. Ouais, non, je pense qu'on doit débloquer deux trucs avant d'arriver ici. Non! Je suis en train de dire, on va arrêter de faire le débile, et qu'est-ce que je fais? Le débile! Salut à toi, Calypso! Comment est-ce que tu vas bien? Ah, purée, je suis retombé. Peut-être qu'il faut pas que je retombe, peut-être qu'il faut que je cherche le vendeur de map. Alors attends, je t'ai pas passé par là en plus. Bah écoute, ça va nickel, journée un peu chiante, mais... La soirée arrive, je joue à Hollow Knight, du coup. Boum, bonheur. Journée chiante devient journée trop bien. Est-ce que c'est pas ça qu'on veut? Non mais aïe, en fait. Je t'ai pas passé par là, hein. Je sais déjà plus par où j'étais passé, au secours. Oh, attends. Que vois-je? C'est un morceau de carte. Est-ce que... Ah, mais par contre, j'ai plus une thune parce que mon âme est morte. Ça chouine quand même beaucoup, là. Oh bah, allez, ça y est, ça commence. Je me fais bolosser par mon chat. Mais non, ça chouine pas. Juste que je suis pauvre. Non, celle-ci, son ancienne caverne. Ne pouvez-vous pas sentir le poids du royaume qui repose sur elle? C'est définitivement une chose très lourde. Un peu comme... mon humour. Je pense que très peu ont réussi à atteindre de telles profondeurs. Vous et moi sommes des pionniers, du moins dans l'histoire récente. 112, aïe aïe aïe, je suis si pauvre. Très joli couvre-chef, merci. Et attends, bonus, mes oreilles bougent. Voilà. Incroyable. Ah, écoutez, si ça vous plaît, c'est le principal. C'est ça qu'on veut. Après, qu'est-ce qu'on veut aussi? De l'argent, hein. Enfin, je veux dire de l'argent du jeu. En vrai, si je peux gratter un ticket de loto et gagner, je dis pas non aussi dans la vraie vie, tu vois, mais... Déjà, l'argent dans le jeu, ça sera bien. Comme ça, on pourra acheter une carte. Et comme ça, avec la carte, on pourra retrouver notre âme qu'on a perdue malencontreusement.
Mais oui, je vais pas vous mentir, c'est clairement un de mes chapeaux préférés. Hein. Parmi ma collection titanesque de chapeaux, c'est l'un de mes préférés, facile. Rien à voir avec le fait que j'aime beaucoup Pikachu, non, rien à voir. Je vois pas de quoi vous voulez parler. T'as alors te dire que je vais devoir me balader, essayer de trouver de l'argent? C'est quoi ça? Mais pourquoi vous me demandez de l'argent quand j'ai rien? Parce qu'après vous me faites chouiner. Après mon chat me dit que je chouine beaucoup. Ce qui me fait encore plus chouiner. C'est terrible. Oh, attends, il me donne que deux... que deux d'argent, mon dieu, mais je suis si pauvre. I I. Eh bien écoutez, on va essayer de taper ce qu'on peut et gagner de l'argent où on peut, hein. Apparemment, il suffit pas de traverser la rue. Faudra penser à remonter après. Oh. Être supérieur, ces mots sont pour vous seuls. Notre vaisseau pur a fait son ascension. Il ne reste de là que le refus et les regrets de sa création. Nous n'entrerons plus dans cet endroit. Et? Et moi je peux rentrer ou pas? Non bah non, je peux pas rentrer. Interdit. Est-ce que je peux te... Non, je peux pas te sourier. Mais écoutez, on va remonter les amis, hein. Je pense que le jeu ne veut pas de nous ici pour l'instant. Pas de souci. Par contre, nous, ce qu'on veut, c'est de l'argent. Ce qu'on veut, c'est farmer des ennemis sans crever, si possible. Oh, il y a un truc que j'aimerais trop dans la vie. C'est que, à la place de savoir imiter Eddie Murphy, je sache faire la voix de Pikachu. J'aimerais trop. Je vais rencontrer une fille en soirée blind test, elle savait trop bien faire Pikachu, j'étais choqué. Je l'ai plus jamais revue, et je suis trop triste parce qu'il faudrait trop que je la revoie pour qu'elle m'apprenne son art. J'étais en train de regarder Commissaire Moulin, parce que je me suis rappelé que tu streamais aujourd'hui. Waouh, et tu as interrompu ta série juste pour moi, ça fait trop plaisir. C'est trop gentil. Est-ce qu'on va parler... Oh, c'est un peu perturbant. Hein. Payez la dîme au roi pâle d'Alonest. Jeter tous les géos? Non. Par contre, on va mettre un petit... Un petit guetteur. Non, Arc, tu n'es pas dans... Voilà, tu n'es plus dans Outer Wilds. Oh là, mais c'est beau, c'est beau. Je parlais tout à l'heure de la force que vous me donniez, bah voilà. Ça, c'est incroyable. En gros, je disais que que j'étais en train d'essayer de passer affilié. Donc, le truc qui fait que tu as des points de chaîne, des emotes et tout. Enfin, du coup, que tu peux un peu personnaliser ta chaîne. Qui rend le truc un peu cool. Et qu'en ce moment, je reçois beaucoup de force des gens et ça me fait trop plaisir. Non, mais je suis encore perdu. Pourquoi je suis encore perdu? Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que t'es censé être, toi? En tout cas, t'es mort. Non, mais je suis coincé ici, du coup. Non. Non. Laissez-moi récupérer mon âme d'abord. Ils sont horribles les monstres par contre, hein, je vous jure. Hein. À partir d'un certain point... Attends, quoi? Eh oui, t'as raté Outer Wilds après. J'ai les VOD sur YouTube si jamais tu veux revoir mes aventures et me voir conduire mon vaisseau comme une Clio. Je fais de la merde. Commissaire Moulin, Commissaire Valence et Julie Lescaut, mes trois séries policières préférées, on juge pas. Zéro jugement. Vu qu'en ce moment, je suis en train de mater avec ferveur Yu-Gi-Oh! GX,
Je serais bien mal avisé de te juger, très cher. Attends, mais what? Mais je suis où, là? Attendez, mais on est où? Maigret supérieur à Hall. Oh là 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 là, le débat est lancé, let's go. Oui, bah écoute, hésite pas à aller voir. J'ai essayé de faire les choses bien sur ma chaîne YouTube, j'ai fait des... J'ai regroupé mes VOD en playlists pour rendre le truc un peu plus facile à suivre. Histoire de pas avoir à chercher à chaque fois, voilà. Merde. Tiens, vas-y, j'en profite. Attendez, bougez pas, regardez, regardez. Un truc de fou. Hop là. Bim. Je fais ma pub de façon toute sale au milieu de votre débat Maigret vs Moulin. Commissaire Maigret contre Moulin, let's go. Octogone sans règle. Comme le dit Tofu Sauvage, octogone sans règle. Et... Donc de mémoire, c'était par là. Hein. Je fais un truc en arrière-plan qui ne me... Qui ne me fait pas du bien, hein. J'avais mon âme pas loin, il me semble, ouais, c'est ça, elle est là. Alors, attends, petite âme, je reviens. Tout de suite. Non. J'y vais maintenant. Je vais me permettre à demain ce que tu peux faire avec une seule. Ça va être chiant, ça, par contre. Ça va être très compliqué. Ouf. Ouah, c'est compliqué. Ouah, c'est compliqué. Titre de la VOD, je me fais déboîter la gueule pendant que mon chat débat sur les meilleurs inspecteurs. Écoutez, moi c'est Derek, les gars. Peut-être bientôt... comment s'appelle un... tier list des meilleurs inspecteurs. Inspecteur gadget en PLS. Mais j'arrive à me paumer, c'est terrible dans 2 mètres carrés. Hein. Ah, toi aussi, Erika, t'es team inspecteur gadget, let's go. Non, mais c'est bien, on est entre personnes de goût ici. Par contre, moi je suis entre personnes paumées. Attends, par là y'a quoi? Par là y'a un truc fermé, ok. Je t'ai remonté par là, non, de mémoire. La map. Zoom avant de la map. Ouais, mon âme est un peu en dessous. Je pense que c'est par là. Hein. Oh, c'est pas du tout par là. Oh, non, non, non. C'est pas du tout par là. Pas besoin de charisme quand on a de l'instinct. Et des paluches comme des 38 tonnes. Let's go. Oh, les arguments imparables. Déjà, le mot paluche a été sorti. Non, c'est vrai ça? Attends. Attends, Calypso, info sûre ça? Ah oui, c'est vrai que c'était par là. Attends, c'est une info sûre, la dinguerie que tu viens de lâcher? Sur Derek? Non. Oh, je suis trop déçu du coup. Erika confirme. Alors attends, deux secondes. Je tue ce truc. Alors attends. Derek, tu savais que Horst Trapper, l'acteur qui interprétait Derek, était un fervent SS durant la Seconde Guerre mondiale. Oh la violence! Oh ma jeunesse qui part en lambeaux quoi. Oh, je suis choqué, je suis choc-barre. Véridique à 100%, mais what? Alors déjà... Déjà d'une, je savais pas qu'il était aussi vieux. Est-ce que je peux taper par au-dessus? Non, je ne peux pas. Déjà d'une, je savais pas qu'il était aussi vieux. Et deux, je savais pas qu'il était aussi mal placé sur... sur l'alignement... bon-mauvais. Parce que clairement... C'est du loyal mauvais, là, ce que vous me décrivez, hein, messieurs-dames. Par pitié, meurs. Et je suis nul! Oh, je deviens nul! Wikipédia semble confirmer. Oh mon dieu, mais c'est révélation de fou! Inspecteur de Rick, c'est un SS. Ok. Oh, dur!
Ah oui, il était condamné et tout. Non mais attendez, mais c'est un leurre de fou là que vous me balancez. C'est un leurre de fou sur l'acteur de Derrick. Oh mais du coup la vérité explose au grand jour. Oh donne-moi mon argent toi. Rends-moi l'argent. C'est bon, j'ai chopé leur pattern à eux. Ils ne peuvent plus rien contre moi. Beaucoup de rebondissements dans ce stream, non mais grave. Putain, alors Gloobby, excellente vanne. Je suis extrêmement triste de pas pouvoir la dire à voix haute. Oh, la violence. Du coup, est-ce que je veux vraiment aller par là? Est-ce que j'ai pas envie d'aller ailleurs? Ok. Oh, putain. Non, il y en a deux maintenant, non. Les révélations sur Inspecteur Derrick. Restez connectés. Oh, j'ai entendu un bruit. Oh, salut toi! J'ai oublié ta voix, Madame Vêtement. Oh, tu as tué toutes ces bêtes! J'ai honte d'admettre que je me cachais. Oh, je me cachais, j'étais un peu planqué. Ces choses monstrueuses m'ont poursuivi et j'ai couru. S'il n'était pas venu, je ne sais pas comment j'aurais survécu. À cause de ma taille impressionnante, certains me prennent pour une redoutable guerrière, mais je me demande si je suis vraiment de taille face aux bêtes de ce royaume. Assez ! Je ne peux pas continuer à me complaindre dans ma faiblesse. Je dois puiser la force dont j'ai besoin en suivant ton exemple. Petite créature, tu agis avec tellement de confiance en combat. Tu ne montres aucune peur devant tes ennemis. Je vais essayer de faire la même chose. Oh oh ! Ok. Ouais. Trop bien. Toi, je t'aime bien, toi. Non mais grave, Calypso, elle est là. J'ai lâché ma bombe, je suis contente. Genre... Inspecteur Derrick en PLS devant Calypso. Ah mais attends, je peux pas esquiver les deux en même temps. Faut que j'arrive à... Je peux pas y arriver. Voilà, c'est ça que je veux faire. Non mais incroyable. Merde, je peux pas le tuer. Je peux pouvoir m'approcher en plus. Mais regardez, mais il crache en quinconce. Ah mais c'est fermé en plus ici. Oh ok. Ah, c'est très très compliqué. Pourquoi la voix du Mickey? Alors non, la voix de Mickey elle fait pas comme ça. La voix de Mickey c'est... Oh, Pluto! Bienvenue dans la maison de Mickey. Oh, Mini! Sora, c'est toi qui es l'élu de la Keyblade. C'est plus comme ça, Mickey. Tu meurs beaucoup, non? Mais non, mais... Mais c'est à cause de vous aussi, attends, tu lâches des dingueries sur Inspecteur Derrick et t'attends de moi que je sois concentré. Choc-barre de zinzin. Je sais que tu me trolles, mais je suis obligé de répondre premier degré. C'est mon personnage. Voilà, donc si vous ne voulez plus jamais entendre cette voix, eh ben ne parlez plus de Mickey. Et comment je peux aggro mon âme là d'ici? Ça va être dur, hein. Ok. Comme ça, let's go. Aïe. Non, mais par contre, c'est zinzin de mettre ça au corps à corps, là. Oh, je les ai eus. C'est bon, je les ai eus. Mickey. Attends de savoir que Gadget est à la Gestapo. La Gadgetstapo. Putain, non, je veux pas partir sur les blagues Seconde Guerre mondiale. Par pitié, chat, changez de sujet. Dites un truc qui a rien à voir. Oh, what the fuck? Les kamikazes.
Le vent divin me souffle dessus. Et oui, le saviez-vous ? Kamikaze. Ça veut littéralement dire vent divin en japonais. Ça, c'est une vraie info. Oh, mais elles explosent, genre, what the fuck. Est-ce que j'ai vraiment envie de péter tous ces blobs ? Absolument. Oh ! Question dans le chat. Est-ce que vous trouvez ça satisfaisant ou pas ? De percer des boutons. Vraie question. Attendez, j'ai fait le tour, là ? Je crois que ouais. Et non, vent des fesses qui se dit Purutkaze. Putain, je viens de comprendre. Purutkaze. Putain. OMG. Non, ça fait mal, je trouve ça dégueulasse. Ok. Parce que j'ai fréquenté des personnes. Je ne dirai pas si c'est le cas actuellement ou pas pour préserver l'anonymat des gens. Mais des jeunes femmes qui trouvent ça extrêmement satisfaisant de percer les boutons des gens. Genre quand j'en avais un et qu'il fait trop me le percer, j'étais là, mais c'est dégueulasse. Déjà, moi, ça me répugne de le faire. Pourquoi toi, tu veux le faire à quelqu'un d'autre ? Donc je voulais savoir si juste moi, j'étais bizarre ou si je suis juste tombé sur deux meufs bizarres. Voilà. Je sais que certains, mais je trouve ça chelou, voilà. On est d'accord, hein. Bon, pas de jugement, évidemment, je ne juge pas, juste c'est chelou. Non ! C'est chelou, sachez-le. J'arriverai pas à reprononcer ça à voix haute. J'ai pas de bouton, du coup, non. Allez, let's go. Parfait. Et ben, malheureusement... Oh putain, 150. Malheureusement... Ces gens se trouvent du papier... C'est ça. Non mais que ces gens se trouvent du papier bulle et laissent les boutons des autres. Yes, des gadgets Twitch qui permettent de faire comme si on perçait des boutons, c'est immonde. Non mais what the fuck, ça je comprends pas. Pour coup, c'est vrai, le papier bulle, c'est bien, c'est satisfaisant et hygiénique. Oh. Par contre, je vous jure, essayez de faire rentrer en contact un chat et du papier bulle. Vous allez passer un excellent moment, je vous le garantis. Je peux pas passer, donc là, faut que je récolte 150 balles, ça que t'es en train de me dire. Ok. Je suis déjà passé par là? Apparemment, oui. J'ai une autre question. Vous pensez quoi de ces femmes qui se foutent des escargots vivants sur le visage? Bah, pour moi, c'est un peu comme les gens qui se mettent de la nourriture sur le... Enfin, des concombres, tu vois, sur le visage. Escargots ou concombres, bah, ça reste de la nourriture, en fait. C'est juste la bave. Bah apparemment, je crois qu'il y a une histoire. Déjà, il y a la bave, il y a une histoire d'effet de succion quand il te... Désolé de dire ça comme ça, mais quand il te marche dessus, hein, c'est vrai que ça fait un peu fétiche des escargots, mais voilà. Quand il te rampe dessus, apparemment, il y a un effet de succion. Alors pour le coup, c'est un faux chat, hein. Enfin, c'est mon info chat à moi. Il se peut que ça soit vrai comme ça, il se peut que ça soit faux. C'est un peu source... Source, j'ai juré, frère. Je bois des résidus de peau de poisson pour me rajeunir. Ah ! Non mais encore une fois, pas de jugement, hein. Voilà. Hein. J'ai oublié, c'était combien ? C'était 150, c'est ça ? 150, ouais. Hop, et on va... Il nous faut de l'argent, hein. On va se balader un peu. Trouver des ennemis. Les tuer, accessoirement. Ah mais attends, il y a encore... Ah non, le tramway, je peux pas encore... Attends. Pourquoi je peux pas aller là-bas? Ah, t'as Gloubi qui casse le game. Moi, j'aime éclater les boutons des escargots. Ah. Ah. Et on peut pas passer par là non plus. Donc, est-ce qu'on ne serait pas face à une dead end, comme on dit dans le milieu? À une... à une fin morte?
Non, attendez, il me reste un truc à explorer par là-bas. Faut juste que je retrouve mon chemin. Promis, ça va le faire. Faut monter un compte Instagram et devenir influenceur. Ah, par contre, ça, c'est un truc dégueulasse aussi quand je tombe justement, genre, tu sais, que je scroll dans les réseaux sociaux, genre Instagram, Twitter ou autre, et que tu tombes random sur des vidéos de gens, justement, qui éclatent des pustules et trucs comme ça. Ah, mais quelle horreur! Arrêtez de faire ça, les gens. C'est de la violence pour les yeux. Ah, j'ai pas vu, attends, sur TikTok, une bonne... Attends, je veux dire que la voix de Thierry là est sur TikTok, une bonne femme qui fait des lives pendant que les escargots se déplacent sur sa trogne. Mais moi, je vous le dis, y a plus de saison, ma petite dame. Ah, et donc là, y a pas de carte. Ah, ok. Il devrait, oui, complètement, il devrait avoir un warning. Hein. Bon, vas-y, du coup, on n'était pas allé par là. Bah, salut. On n'était pas allé par là, mais c'est là où il y avait les lanciers chiants, là. Oui, purée, y'a toi. Faudrait que tu meurs en moins de coups, tellement t'es chiant à choper, toi. Meurs! Ok, pourrait mettre des escargots sur ses fesses et avoir des subs Twitch, elle a rien compris. Putain, la méta des fesses sur Twitch serait extrêmement perturbant. Et bah, le saviez-vous, Twitch a mis à jour ses conditions. Il n'est plus possible de faire des streams fesses, sachez-le. Vous êtes obligé de vous abonner à mon OnlyFans pour. non, je plaisante bien sûr. Mais oui, parce que le fut un temps, si vous n'êtes pas au courant, sur Twitch, t'avais la méta fesses où il y avait des diffuseuses qui. Mettaient en avant leur papatin de moult façons que ce soit en profitant des failles dans la réglementation de Twitch que Twitch s'est évidemment empressé de mettre à jour parce que voilà ben non mais là aussi en fait fallait pas que je sois là. Ouais non je pense que c'est absolument impossible. J'ai bien calculé. C'est nul, je trouve. Coucou. C'est nul, je trouve. Alors, c'est nul quoi que les gens fassent des stream fesses ou qu'il y ait des stream fesses. Ouch. Non mais je vais crever, vous êtes trop chiant, vous, je vous speedrun, ne bougez pas. Je veux des stream face. C'est nul qu'on puisse plus le faire. Non mais c'est bon, ok, j'ai compris de quel côté de la force se trouve mon chat. Ah, il y a la voix de la régie qui nous dit que c'est trop bien les stream face. Je sais pas si vous l'avez entendu. Je sais pas si vous connaissez la phrase qui dit « La nature trouve toujours son chemin ». Moi je dis « Les fesses trouvent toujours leur chemin ». What the fuck? Eh oui, il y aura toujours des fesses quelque part. C'est les trois grands sujets de l'art. La religion, la mort, le cul. Là, le cul trouve toujours son chemin dans n'importe quel genre d'art. Et ainsi, l'art du streaming a ses fesses. Voilà. Eh bien, chers amis, ce cours de philosophie gratuit vous a été dispensé par la régie. Merci pour ça. Non mais en plus ils sont là, ouais c'est logique, ouais totalement, oui tout à fait. Oh, là, attends, ils sont là avec leur petit, ils sont là avec le petit verre de vin, mais oui, mais tout à fait. L'autre jour au vernissage. Ah bah littéralement je reviens d'un vernissage alors. Ah putain. Et les streams bikini avec piscine gonflable dans le salon, ça se fait toujours. Je crois que ça se fait plus hein, les streams hot tub. Je crois que ça se fait plus, hein. Il me semble que c'est plus... C'est plus très autorisé, vous voyez. Ouais, attendez, je vais peut-être avoir droit à mon banc. Parce que pendant qu'il y en a qui rigolent sur des fesses, il y en a qui essaient de sauver le monde, hein, excusez-moi. Pas la même priorité. Aïe, voilà, ça m'apprendra à être méchant avec les gens.
Mais ouais, en vrai, je crois que ça se fait plus, hein, les streams hot tub façon amourante et tout. Enfin, normalement, je débloque un banc. J'ai loupé le coche pour me faire des millions. Oui, voilà, c'est ça, je pensais à ça, Erika. Genre les filles qui mettaient des sous-vêtements verts pour diffuser leur jeu dessus en mode, tu sais, ouais, fond vert. Enfin, string vert, quoi. Oh, je peux faire ça. Max est bientôt fini par pitié. Attends. Ok. Merde. Non. Vas-y. OMG, il a découvert. Oui, mais j'ai découvert ça la dernière fois. Et oui, c'est incroyable. Tac. Je refermais la porte. Pas qu'on entende de bruit parasite. Mais par contre, alors c'est cool que j'ai débloqué le banc, mais ça me débloque toujours pas l'accès à... Ouf, je vais me casser la gueule. À ça, genre, je peux pas aller là. Attendez. Ah non, je peux pas. Bon, bah écoutez, c'était bien. Voilà, bisous. C'était le monde en noir et blanc. Abonnez-vous, lâchez un pouce bleu. Aïe. Voilà, ça m'apprendra à faire comme les youtubeurs classiques. Oui, abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, bonk. Ah, j'avais pas vu, alors attends. C'est comme cet autre délire de regarder des gens dormir, j'en vois vraiment pas l'intérêt. Ouais, ça me cringe de fou, moi aussi. Je suis tout cringed quand je vois ça. Genre des gens qui regardent des gens dormir. C'est si bizarre de regarder des gens dormir. Enfin, a fortiori des gens que tu connais pas, genre... Ah, mais attends, je peux encore aller plus loin. Ah bah oui. Ah bah oui, carrément. Un stream avec un chien ou un chat qui dort, je signe direct. Mais oui, non mais... Alors ça, je suis d'accord. Là, je suis Team Tofu, clairement. Les 4 cams, ça rajoute vraiment un truc. Attends, je suis où, là? Mais attends... Si je vais full par là-bas, qu'est-ce qui se passe? Bon, après, en général, le souci, moi, quand... Enfin, ça sera compliqué pour moi de mettre en place une 4 cams, parce que quand mon... Comment dire? Enfin, quand ma chatoune... Enfin, quand je stream, ma chatoune, elle est... il est tard, donc c'est les horaires où elle est active, où elle est réveillée, tu vois, où elle bouge de partout et joue avec ses jeux. Du coup, compliqué de mettre en place une 4 cam. Malheureusement. J'avoue, ça aussi, les gens qui filment les animaux sauvages, c'est stylé. Enfin, je veux dire, tant que tu mets la caméra où elle gêne pas, où les animaux la voient pas, où ça les dérange pas. Moi, je trouve ça giga stylé. De voir un peu des animaux sauvages en direct. Attends, mais peut-être... On est où ici déjà? Mais attendez! On n'est pas venu ici, what the fuck? Cédric, je suis ton toit du futur. Si tu ne streams pas sur tes fesses, voilà ce qui va se passer! Mon dieu. Voilà, ça c'est ma régie qui fait muse avec mon retour. Et qui est morte de rire. Aïe aïe aïe. Ah bah le sinon, voilà ce qui va se passer. Oui, c'est meilleur rêve de tous les temps. Tu vois, autant... Merde. Attends, je vais vite fait par contre. Ouais, non, quoique. Comment dire? J'ai pas spécialement d'attachement pour les acteurs ou quoi, mais pour le coup, ça me ferait vraiment chier, genre qu'un jour on découvre que l'un d'eux soit problématique ou quoi. Je serais trop deg.
Alors la ref pour celles et ceux qui l'ont pas, c'est le Visiteur du Futur. C'est une web-série française super sympa. Qui, pour le coup, je trouve ça très bien tourné. Avec les moyens qu'ils avaient à l'époque, c'est assez incroyable. Et toujours plutôt regardable aujourd'hui. Hein. Et au passage, ils ont sorti un film, mais je pense qu'il faut d'abord avoir regardé la série. Avant de mater le film. Par contre, vous êtes très chiant, vous. En plus, vous mourrez pas et vous donnez pas d'argent. Merde. Le timing. Let's go. Je ne suis que timing. Et donc, notamment, l'une des punchlines... l'une des catchphrases, pardon, du personnage principal, c'est de dire « Voilà ce qui va se passer !» Et en général, ceux qui suivent cette phrase, c'est très souvent de l'improvisation, et j'ai appris ça plus tard, et je trouvais ça extrêmement classe. Planté de bâton, je t'en foutrais au moins du planté de bâton. Ah, ça, c'est une autre ref. Mais ça, je pense que beaucoup plus de gens l'auront. La ref du planté de bâton. 45 millions de vues pour la web série. Ah non, mais totalement, hein, c'est une web série hyper qualitative. Hein. Enfin. Pour comparer avec ses copinous de l'époque, Visiteur du Futur, ça surpoutre Noob, hein, je trouve. Peut-être pas en termes d'effets spéciaux, parce que bah il y a moins besoin, tu vois, c'est un peu plus sobre. Mais en termes d'histoire, d'enjeu, de storytelling, enfin c'est n'importe quoi, comment c'est ouf, Visiteur du Futur. Après, si tu veux... Alors, par contre, si tu veux une web-série, pareil, un peu à la française de cette époque-là, tu veux juste bien kiffer ta race et avoir des bons gros effets spéciaux, des combats de fou et tout, Flanders Company. Flanders Company, c'est un truc de fou. Alors, Noob, je dirais pas que c'est bof. En vrai, c'est bien, mais c'est surcoté. Dans le premier sens du terme... C'est surcoté, genre il y a eu trop de foin fait pour une série qui est bien, mais moi à mon sens, je trouve qu'il y en a d'autres mieux, quoi. Facile. Bon après, eux, ils ont aussi bien mieux géré leur com, hein. Le crowdfunding et tout, il a fait un tonnerre de Zeus, hein. Oh, salut toi! Oh, dis-moi que qu'elle est pas chère ta map. Mais n'est-ce pas un trou confortable? Je me suis aventuré dans cette région sauvage juste à côté d'ici et je me suis dit qu'une petite pause me ferait le plus grand bien. Et cet endroit est tellement serein de ce côté de la ville, et bien que ses habitants soient plus féroces que jamais. J'ai une carte de la région? Oui. Sache que chaque. Oh, elle est super dure à dire ta phrase! Sache que chaque planche est un pas et que chaque pas est une planche. Oui, pour m'aider à articuler, je rappe. Très mal d'ailleurs. Je prends note pour plus tard. Ah ouais, tu peux, hein. Ben, pour moi, voilà, t'as les deux extrêmes, entre guillemets, c'est Flanders Company et. Comment ? Visiteur du Futur. Après, c'est les deux extrêmes du bien, hein, clairement. Des bonnes web-séries. En fait, Flanders, clairement, ils ont... Alors, je te speech le truc très rapidement. Flanders Company, c'est une entreprise, une boîte, une société qui gère des super-vilains. Et en gros, ils empruntent... Enfin, de toute façon, c'est un groupe de créateurs qui ont fait d'autres séries que celle-là. Et je trouve... Mais pour moi, c'est assumé, hein, qu'ils empruntent beaucoup au code des animés, en fait. En termes de power level, de plein de trucs.
Ok, donc toi, faut pas te taper non plus, sinon tu me pètes la gueule, ok. Tu as la ref? Alors non, j'ai pas ta ref par contre. Je n'ai pas celle-là, malheureusement. Malheureusement, on peut pas avoir toutes les refs. C'est de l'eau ou de l'acide? C'est de l'eau. Alors que on vend pas de quiche ici, c'est une boulangerie, pas une quicherie. C'est une des meilleures phrases essayées français, oui. OMG. Attends, mais je suis où là? Et what the fuck? Je suis encore perdu. Attends, mais je viens d'acheter une carte et boum, je change d'endroit, mais par pitié. Ah, c'est dans les randonneurs. Je crois que je connais pas. Prumdug? Je crois que j'ai pas vu. Avec Benoît Poulvord. Oh, par contre, il y a des trucs qui tombent depuis tout à l'heure, ça ne m'inspire guère. Non, mais vas-y, nique-toi. Nique-toi, ça pue le piège, attendez. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Il faut aller son travail. Oui, mais vous allez comprendre. Je me casse par là-bas. Je vais prendre mon fauteuil. Et on va être bien. Vous êtes bien tanky, vous. Oh là là, il est vraiment trop dur ce jeu. Hein. Pouf. Pouf. Aïe, voilà, ça c'est pour ma gueule. J'étais sûr que ça allait arriver. Hein. J'ai failli le dire en plus. Dans 3 secondes, j'allais dire oh, le karma dans ma gueule. Voilà, meurs par pitié. Ils sont grave tanky ici, les ennemis. Arrêtez. Mais arrêtez. Par contre, il me rapporte beaucoup d'argent. Karma aide, oui, totalement. Ah non, mais par contre, depuis le début de cette aventure. Même, je crois, depuis le début de l'aventure, juste de mon aventure Twitch, chaque fois que je troll le jeu en mode... Et que j'ai de la merde, que je fais le con, à chaque fois, je me prends un retour de caméra dans la gueule. Mais tout le temps, hein, tout le temps. Je pense qu'une de mes premières emotes, ça va être... Oh, putain de tarasse. Ça va être ça, ça va être Karma Aid. Attendez, bougez pas, je me soigne. Ok. Donc maintenant, on peut se battre. Oh putain, mais tu te retournes! Mais t'as un cerveau, contrairement à tes potes. Aïe. T'as en plus... Oh mais... Ah, elle me suit! T'as en plus... Au plus je m'éloigne, en plus ça saute loin. C'est terrible. C'est une règle cosmique. Ah non, mais totalement. Merde, merde, merde. Oh, mais attends, mais t'as vu, elle a fait un petit bond pour essayer de me piéger. Attends, bouge pas, je reviens. Mais je vais la voir, hein, je l'aurai sur la durée. Hein. Je vais la voir sur la durée, je vous jure. Putain. Il fait des pièges, lui, aussi. Mais veux-tu bien mourir un jour? Veux-tu bien partir un jour sans retour? Merci. Non mais vas-y, mais il y a trop d'ennemis. Je speedrun jusqu'au banc et après je me les fais. Mais attends, mais t'étais pas un mini-boss toi? Terrible. Oh, je commence de tellement loin. Attendez, bougez pas, je reviens. Dans 30 secondes.